Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de la série sur le PHP. Et dans cet épisode, on va parler un peu des boucles en PHP alors les boucles c'est quelque chose qu'on va très très peu utiliser, honnêtement depuis que je fais du PHP je m'en suis jamais resservi, alors vous vous demandez peut-être pourquoi je veux faire un tuto là-dessus, bah simplement parce que c'est une notion principale, enfin pas principale, une notion fondamentale de la programmation et donc euh, c'est quelque chose qu'il faut avoir vu, vous retrouverez dans tous les langages de programmation euh, autres que le PHP, vous retrouverez les variables, les conditions et les boucles donc même si on ne s'en sert pas en PHP on s'en sert dans, euh, dans vraiment tous les langages qui existent et en PHP bah, c'est quand même important de savoir que ça existe et de connaître un peu le principe. Donc j'ai décidé de quand même faire une, euh, un tuto là-dessus parce que euh, bah, d'habitude c'est vrai que dans ma série j'ai l'habitude de passer un peu sur les, les éléments que je juge euh, non euh, comment dire non indispensable à la programmation en PHP, mais là c'est vraiment quand même une notion fondamentale, un truc à connaître. Donc je vais quand même vous montrer ça. Alors le principe c'est un petit peu comme les euh, comme les conditions. Vous allez voir c'est vraiment très très simple et euh, c'est voilà c'est pas dur à apprendre, mais c'est quelque chose qu'il faut connaître. On va commencer ici avec une variable qu'on va appeler nombre et on va lui donner comme valeur 1. On va ensuite mettre donc là j'ai créé juste le fichier hein, comme d'hab numéro 4 voilà. Avec rien dedans. Donc ici on va écrire par exemple euh, while. Donc ça c'est notre boucle. Ça va while veut dire tant que en anglais. Et alors là je vous conseille, mais je vous conseillerais ça dans tous les euh, tous les épisodes je pense de la série PHP de télécharger Sublime Text parce que là j'ai tapé while ici pour euh, pour la syntaxe. Si je clique dessus, donc faut que je le retape, faut que je clique sur Entrée pardon. While entrée, là ça nous affiche la syntaxe qu'il faut avoir pour les boucles. Donc c'est vraiment très pratique au cas où on ne se souvient plus de la syntaxe. On va écrire while et entre les parenthèses on va écrire une condition. Donc c'est là qu'on on revient au, euh, aux bases, aux bonnes vieilles bases, enfin à ce qu'on avait vu dans le précédent tuto en tout cas. On va dire tant que nombre est inférieur ou égal à 1, et ensuite on va venir mettre des accolades et à l'intérieur ça va répéter ça. Tant que euh, non, on va mettre 100 plutôt. Que nombre ne sera pas enfin euh, tant que nombre sera inférieur ou égal à 100, ça va répéter ce qu'il va y avoir entre ces deux accolades. Donc, si j'écris par exemple ici écho et que euh, j'écris nombre avec un petit point virgule, j'actualise ici la page va bugger. Simplement, donc je vais l'arrêter de charger, simplement parce que la variable nombre ne change pas, et du coup, vu que nombre est égal à 1, ça va se répéter en boucle infiniment, et donc ça ne va même rien afficher, ça va juste charger pour le traitement, charger, 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 c'est le coup à faire planter le PC de votre internaute. Donc, euh, ce qu'on peut faire, on va faire simplement une incrémentation, c'est-à-dire qu'on va rajouter à chaque fois à la fin de la boucle, on va rajouter plus 1 à notre nombre. Pour ça, on va écrire nombre égale nombre plus 1. Donc, simplement un petit calcul tout simple, on rajoute simplement 1. Et ici, ça nous affiche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à arriver à 100. Voilà, c'est bien la limite qu'on avait mis ici. On va ici écrire un petit, un petit retour à la ligne pour que ce soit un peu plus propre hein, quand même. Voilà, si je réactualise, ça nous, ça nous descend bien jusqu'à 100. On peut réduire la taille de ça au lieu d'écrire nombre égale nombre plus 1, on va simplement écrire nombre plus plus, c'est le principe de l'incrémentation, et si j'actualise la page, bah, ça nous affiche exactement le même résultat. On pourrait écrire aussi une phrase, par exemple on va mettre... Euh, on va mettre une petite variable qui s'appelle phrase égale euh, ceci. Non, on va mettre je suis la phrase répétée. Voilà, comme ceci. Et donc là on va écrire nombre. Point. Ensuite, on va mettre un petit point, espace, et on va écrire, euh, on va déclarer notre variable, donc phrase. Ici, si j'actualise, ça nous met bien, voilà, le nombre de fois, je suis la phrase répétée, je suis la phrase répétée, etc. Et ici, on pourrait mettre, euh, par exemple, si on veut la faire apparaître 150 fois, on va écrire 150, on actualise, et on va voir ici 150. <laughs> Euh, les boucles seront utilisées en fait justement, bon elles seront quand même utilisées une fois, enfin dans, dans le PHP, pas concrètement mais de manière un peu implicite on va dire, un peu euh, subliminale, je sais pas comment dire ça. Quand vous allez vouloir chercher des informations dans une base de données, vous allez devoir écrire while ensuite le, euh, les informations sur la base de données, bon je vous montrerai ça dans des futurs tutos. Et ce qu'il y aura dans la boucle, ce sera les informations tirées de la base de données. Donc euh, c'est pour ça que c'est quand même important de le connaître, vous connaîtrez le principe au moins, mais je réexpliquerai ça dans le, dans le tuto où, euh, où on parlera plus de ça, de récupérer les informations d'une base de données. Mais c'est vrai qu'on s'en sert quand même, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, on s'en sert quand même, mais c'est pas vraiment sous cette forme, avec une condition, c'est un peu différent, mais. Euh, c'est vrai, que, voilà. Au moins, vous aurez la forme et vous saurez ce que c'est. Donc là, on a fait cet exemple. Hein, c'est un exemple, voilà, vraiment euh, comme un autre, un exemple tout bête. Euh, on va voir qu'il y a une autre formulation qui existe. Donc au lieu d'écrire while, on va pouvoir écrire for. Et alors là, pour le coup, c'est celle-là dont je me suis vraiment jamais servi en aucun cas. C'est euh, son étude dans laquelle on va écrire. Ici, on va enlever nombre. On va écrire trois paramètres. Donc pas un seul, pas juste une condition. On va cette fois-ci écrire for nombre égal 1. Donc on va commencer par initialiser une variable. Point virgule. Euh, ensuite on va mettre la condition. Donc là nombre égal euh, euh, nombre égal non nombre est inférieur au, tant que nombre est inférieur ou égal à 100. Et ensuite à la fin l'incrémentation. Donc nombre plus plus. Ensuite une fois qu'on a fait ça on va à la ligne on met les accolades. Et une fois qu'on a fait ça voilà à l'intérieur des accolades tant que nombre sera inférieur ou égal à 100, on répétera la boucle et à chaque fois à la fin de la boucle on va venir augmenter de 1 la variable nombre et ici on initialise la variable donc au début. Et là on peut écrire, on peut avoir le même résultat que ça simplement, voilà en écrivant echo, ensuite on va mettre euh, dollar, euh, c'était quoi dollar nombre, voilà, ensuite point espace, ensuite on va mettre notre phrase donc, oups, phrase comme ceci et ensuite un petit retour à la ligne pour que ce soit assez propre dans, euh, dans la manière dont on va le voir. Si on actualise, là, voilà exactement le même résultat. On pourrait mettre ici, pour vous montrer vraiment que c'est ce code hein, qui est utilisé, on pourrait mettre un tiret, voilà, c'est exactement le même résultat, sauf avec une formulation différente. Donc, euh, je vous disais que c'était pas utilisé beaucoup en PHP, mais c'était utilisé beaucoup dans les autres langages. Alors, pourquoi Simplement parce que dans les autres langages de programmation, comme le C, C++, le Java, Python, les choses comme ça, vous aurez toujours une entrée, donc vous pourrez écrire quelque chose avec votre clavier. Par exemple, imaginez que vous êtes dans une console, hein, dans, dans commande, voilà, quand vous allez dans le conso la console de l'ordinateur, votre programme tourne et ça va vous dire, euh, pour le menu 1, tapez 1. Pour le menu 2, tapez 2, pour le menu 3, tapez 3, etc. Et il existe par exemple 5 menus. Imaginez que l'utilisateur tape 6, et bien bah, ça va nous mettre une grosse erreur, ça va faire planter le programme, ça va faire plein d'erreurs. Et les boucles servent justement à éviter ce genre d'erreur en programmation. Par exemple, on va dire, euh, on va dire tant que, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire Voilà, tant que l'utilisateur n'a pas donné un chiffre pour la sélection du menu qui est égal à 1, 2, 3, 4 ou 5, on avait dit qu'il y avait 5 menus je crois et eh bien, ça va dire ré répéter, ça va faire un petit message du genre s'il vous plaît, ou genre ce menu n'existe pas, veuillez répéter, veuillez re recommencer votre choix, ou quelque chose du genre, histoire de, de demander à l'utilisateur de recommencer et de ne pas afficher d'erreur. Donc, c'est ça que ça va servir, mais justement, vu qu'en PHP on n'a pas d'entrée directe, vous allez le voir par la suite dans la série, on va surtout transiter par les formulaires. Euh, bah, du coup, ça sert absolument à rien, enfin, ça sert quasiment à rien de connaître ça. Et euh, les seuls books dont on va servir, comme dit, c'était Wild euh, pour récupérer des informations d'une base de données. Mais ça, je reviendrai là-dessus. Vous allez voir, c'est juste un petit truc tout bête à apprendre par cœur. Et puis, euh, vous pourrez récupérer toutes les informations de base de données. Donc, ce tuto était beaucoup plus court euh, que ceux que j'ai l'habitude de faire. Hein. C'est vrai que d'habitude, euh, ceux sur le PHP dure une quinzaine, voire même presque 20 minutes. Donc, euh, c'est vraiment très court, c'est très simple, c'est euh, quelque chose qui est pas obligatoire à savoir, mais qui est quand même intéressant, qui est quand même bon de savoir. Et sur ce, bah, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.